Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une petite présentation, non, pas d'un smartphone, non, pas d'une tablette, mais d'un produit que j'ai reçu de chez tinydeal.com. Voilà, c'est entre la tablette, entre le PC, voilà, c'est les nouveaux produits qu'on peut trouver en Chine qui font, je dirais, mini PC, voilà. Donc, il s'agit de la Pipo W9S. Voilà, Pipo W9S sous Windows 10 avec un processeur Intel. Voilà, on va faire le tour de la bête. Bon, voilà la boîte, hein. Vous avez la boîte là, classique qui est vide hein, là. Où dedans, vous retrouvez... Hop, là, il y a le MeToo qui va se barrer. Tac. Où vous avez donc ceci qui est dedans. Voilà, il va falloir que je tende les bras là pour pouvoir faire cette présentation. Et le chargeur, tout simplement. Voilà, vous avez un chargeur classique qui n'est pas micro USB, qui est un chargeur comme ceci, avec l'adaptateur FR dedans pour qui va bien. Clac, voilà. Donc là, vous avez le kit. Voilà, la tablette et ceci dedans. Vous n'avez rien de plus. Il n'y en a pas besoin de plus, de toute façon. Et donc, on va faire un petit tour extérieur. De l'appareil. Allez, tout de suite, on va en attaque avec le descriptif et les caractéristiques. Alors, le descriptif et les caractéristiques. Descriptif, ben voilà. Alors, attendez, ouais, je vais faire un petit peu de place. Hop, on va faire comme ceci. Tac. Voici la bête. Voici la bête. Alors, toute. C'est pas du métal, voilà, c'est du plastique, mais relativement costaud, du plastique relativement solide, voilà, donc on va faire le tour, donc ça fait 14,1 pouces, donc déjà une belle bête, c'est relativement fin, voilà, si on fait comme ça, c'est très fin, voilà, hop, on voit derrière, où il y a la marque donc Pipo, la référence, les deux petits haut-parleurs qui sont placés en dessous. Voilà. Derrière, rien du tout. Ici, sur le côté droit, on retrouve un port USB, la jack 3.5, le port micro SD. Hop, le côté droit, on retrouve la prise HDMI qui vous servira, enfin mini HDMI qui vous servira donc à brancher sur la télé, la prise d'alimentation et de nouveau une USB. Donc, il peut vous permettre de brancher une souris, un disque dur externe, une clé USB. Enfin, voilà, la totale. Voilà, donc le tour est rapide, hein. C'est vraiment, ça sent la qualité, quoi. C'est, voilà, moi c'est la première chose que j'ai eue en main. Je me suis dit, putain, c'est fin, c'est léger, c'est vraiment très léger. C'est, ouais, voilà, ça fait même pas 1,4 kg, donc vraiment très très léger en main. Je veux dire, vous l'avez dans la main, comme tac tac, vous vous baladez, ça fait, vous pouvez glisser dans un sac, soit vous avez vraiment rien du tout en main. On va ouvrir pour voir la bête. Donc voilà. Donc voilà la bête avec un écran 14,1 pouces avec un clavier en QWERTY. Pour l'instant, je n'ai pas encore commandé les petits stickers pour le passer en AZERTY. Mais voilà, il y a les petits stickers à 3 euros que vous trouvez sur eBay, vous trouvez n'importe où. Tac, 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 tac. Vous passez votre clavier en AZERTY comme ça et c'est invisible. Vous avez donc le touchpad qui est juste là, qui est très grand, donc qui est vraiment bien au niveau du toucher et ainsi de suite. Voilà, quoi dire d'autre, à part voilà, la caméra qui est ici pour les Skype, ainsi de suite, que j'ai testé hier avec un ami qui marche très bien. Voilà, vous pouvez donc l'agrandir. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est le PC de secours ou le PC de déplacement. Voilà, ça ne peut pas être un PC d'utilisation courante, mais voilà, continuellement. Il est là. Donc, descriptif caractéristique, ben on va attaquer tout de suite la fiche technique. J'ai sorti mes petites feuilles. Donc, dedans, vous retrouvez. Ah là là, donc Windows 10, bien sûr. Hop, on va faire comme ça. Allez, hop là. Voilà, Windows 10 qui est dessus, en version familiale. Il est équipé d'un processeur Intel Z8300 cadencé à 1,840 GHz en 4 cœurs. Un Intel HD Graphics Gen 8 pour le GPU.
Voilà, une batterie de 10 000 mAh. Alors, c'est tellement fin que je me demande où ils l'ont mis. Et l'autonomie est vraiment bonne dessus. On reviendra dessus. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. Voilà, et vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 128 Go avec une micro SD. Donc là-dessus, quoi dire de plus? C'est pour voilà, il y a largement de quoi faire. Disque dur externe, ainsi de suite, branché dessus en USB, ça tourne nickel. Donc ensuite, 14,1 pouces. C'est déjà une bonne taille. Pour une résolution d'écran de 1366 par 768 en 16 neuvième. Ça, vous pouvez le voir bien sûr sur la vidéo. Voilà, donc hop, on continue. Donc le Wi-Fi, bien sûr, OTG, HDMI. Bah, voilà, il y a l'Ethernet, il y a la totale, comme sur un PC. Caméra 2 millions de pixels ici, donc qui n'est pas forcément haute résolution, mais ça marche, ça suffit pour faire du Skype, pour faire du VoIP. Ça marche relativement bien. Voilà, le tout pour un poids de 1390 grammes. C'est. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, que dire de plus là-dessus? Donc, Windows 10, on a dit, on va faire un petit tour sur le PC. Tac-tac. Donc, ce PC, on voit qu'il y a une capacité de 53 Go. Donc, là, j'ai installé pas mal de trucs. J'ai pas mal de films aussi dedans. Il me reste 26 Go de libre. Je l'ai bien chargé. J'ai mis une micro SD de 64 Go dedans. Voilà. Donc, ça me fait déjà 128 Go de stockage pour l'utilisation. Il y a déjà de quoi faire. Hein. Donc, on va aller faire tout de suite. Un petit tour, tac, dans les propriétés. Je suis assez friand de ces petits produits en ce moment qui sont mobiles, qui sont vraiment pratiques pour la mobilité. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, on est bien sur le fabricant Pipo W9 en Intel Z8300 à 1,44 GHz. Voilà, il est sous cadence, le processeur, étonnamment. 4 Go de RAM, système d'exploitation 64 bits. Voilà, c'est rien de. Voilà, le produit Windows est activé, donc c'est bien un produit officiel Windows 10, il n'y a pas de souci. Facilement réinstallable ensuite, en plus sur le forum. Il y a des forums spécialisés dans ce genre de produits où on peut trouver des firmwares pour les réinstaller via clé USB. C'est vraiment top. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Hein. On a fait un peu le tour du descriptif caractéristique. C'est pas un produit où je vais passer une heure à vous expliquer. Parce que voilà, c'est juste super agréable à utiliser. C'est pratique, c'est léger. Voilà, donc tout de suite, on va passer un peu entre guillemets aux performances, à l'autonomie. Et tout ce qui va avec, c'est parti! Alors, les performances, l'autonomie. L'autonomie, on voit ici l'indicatif de la batterie. Voilà, où je suis à 78%. Il me reste 10 heures à peu près d'autonomie. Je dirais, allez, hier je l'ai utilisé quasiment une bonne partie de la journée pour faire de la vidéo, installer tous mes logiciels, m'amuser, blablabla, blablabla. 8 heures d'autonomie assurée. Voilà, 8 heures d'autonomie assurée. Donc, une journée de boulot. Voilà, vous avez ça, vous partez avec ça le matin, vous avez une journée de boulot sous la main avec ce PC. C'est. Voilà, donc Pipo font très fort là-dessus. Au niveau des performances, on va pas pousser le bouchon trop loin. Voilà, hein, on va aller faire un petit tour en gestionnaire de tâches. Voilà, performance. Donc, vous avez le processeur, voilà. Processeur, si bien sûr, on le talonne, bah, il monte à 100% sans arrêt. La mémoire de 4 Go qui est bien disponible. Voilà. Ça tourne. Il n'y a pas besoin de. Voilà. C'est pas pour faire de l'encodage vidéo. Mais pour, si vous avez des petits films à regarder, des documents à taper, des photos à éditer ou ainsi de suite. Voilà. Sans problème. Sans problème, sans problème, sans problème. Hop! Alors maintenant, on va passer bah, tout simplement. On a fait le stockage, on a fait l'autonomie. L'autonomie, je peux pas vous vraiment vous dire comme ça. C'est, mais voilà, 78% économiseur de batterie. Vous pouvez le passer en économiseur de batterie. La luminosité de l'écran, on peut l'augmenter à 50, 75, 100%. Mais là, je vais risquer de vous éclater les yeux. Donc, on va la baisser. Hop, voilà. Vous pouvez encore économiser de la batterie en baissant. On va mettre à 50. Normalement, on peut. Zéro, c'est pas assez. Voilà, 50%, ça sera très bien. Donc, bien sûr, ça, vous pouvez jouer selon la clarté que vous avez. Il faut jouer là-dessus.
Voilà. Alors, tac. Donc maintenant, eh ben, on va passer tout de suite la partie la plus intéressante de ce produit. Ça va être le multimédia jeu. Et puis aussi le traitement de texte et puis traitement d'image. Allez, c'est parti! Alors, pour le multimédia, jeux et photos. Donc, la photo, bon, il y a une caméra, alors j'ai mon Skype qui est connecté. Hop. Tac. On va faire outils. Options. Tac, tac. Paramètres vidéo. Voilà. Et là, on voit la caméra tout de suite qui est en train de s'activer. Hello! Voilà. Donc là, vous pouvez voir la caméra, tout simplement. Donc il fonctionne très bien, la résolution est pas mauvaise du tout pour une 2 millions de pixels, ça suffit largement pour faire la webcam avec Skype, avec WhatsApp, pas WhatsApp, avec tous les logiciels de messagerie que vous pouvez avoir sur un PC. Voilà, pour moi ça c'est pas mal. Hier on s'est amusé avec un copain justement à se faire du Skype et ça marchait vraiment très bien. Au niveau de la musique, alors. Voilà, j'ai mis les deux que je mets d'habitude. Voilà. Voilà, là je suis à fond. Voilà, on va être franc. C'est pas super puissant. C'est pas super puissant comme ça. Faut le dire. Alors par contre, j'ai fait une petite chose. Qui est bien sympathique. Voilà, c'est ça. La petite enceinte Bluetooth de chez Xiaomi, qui coûte pas cher du tout. Voilà, je la jumelle avec, et là c'est parti. Là ça va péter. Hop. Voilà. Et là, attention, quoi de là, quand vous mettez le son avec une petite enceinte Bluetooth comme ça, si ça veut bien passer dessus, il faudrait que je l'allume. Allez, connecte-toi à l'enceinte Bluetooth. Voilà. Voilà, là c'est autre chose. C'est quand même autre chose. Ça mange pas de pain, ça prend pas de place et ça dépote au niveau du son. Donc tout de suite, si on se fait un petit. Hop. Voilà, Allez, sur l'enceinte Bluetooth. De nouveau qui Rodriguez Poitiers. Et on va désactiver le Bluetooth. Il y a quand même une sacrée différence. Il n'y a pas trop photo, hein. Voilà, donc pour dire, bon, le son, si vous partez en extérieur, ainsi de suite, vous avez besoin d'écouter une musique ou que ce soit, voilà, le casque ou directement les petits haut-parleurs, ça fait le travail. Mais quand vous voulez vraiment avoir du bon son avec un petit PC de travail, bah voilà, petite enceinte Bluetooth comme ça posée à côté, ça se recharge avec le chargeur de téléphone et hop là, en un quart d'heure, c'est chargé. Ça, c'est juste top. Donc la musique, bon voilà, le son des enceintes internes n'est pas top, petite enceinte Bluetooth. Ça corrige le tout. Hop, on va aller voir tout de suite dans les fichiers. Tac. Ce PC. Et là, dans la micro SD, justement, j'ai mis deux petits films test. Donc, avec en 720p. Ah, j'ai pas bien cliqué. Ah. Hop, c'est parti. Ma chérie, le mien vaut 10 points. Ouais, le mouton noir. Vous vous battez pour séduire comme dur. À moi la victoire. On va faire une petite chose avant, c'est que justement la luminosité, on va se la mettre à 100% pour le temps de la vidéo. Voilà, ça fera quand même beaucoup mieux. C'est moi qui te l'ai offert. L'image est juste top, hein.
Personne peut m'arrêter. Personne sauf moi. On ne fait qu'un, grosse maligne. Arrête de toucher, tirer la couverture à toi. L'image est vraiment juste magnifique. Voilà, pour le 720p, ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que bon, ça reste un petit écran, 14 pouces. Mais voilà, l'image est propre. Et voilà, je ne sais pas si... On va mettre un petit peu plus comme ça, vous verrez peut-être mieux. C'est vrai que c'est pas évident à filmer sur un grand écran comme ça. Hop, on va se faire le 1080p. Alors, en 1080p, voilà. Bon, en fait, il y avait une petite erreur sur le fichier. Donc, il est là. Voilà. En 1080p, bah, ça passe juste... On va avancer un petit peu. On voit que l'image est juste propre. Hein. C'est moi la victoire. C'est moi qui te l'ai offert. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est voilà, ça passe bien. C'est voilà, pour moi, ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Allez, Cortana, on va y dire bonjour. Tac, 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 tac. C'est pas la dernière version, mais voilà, ça suffira quand même. Sinon, après, je vais vous faire voir le disque dur externe branché en USB qui fonctionne, qui est reconnu directement. On va faire le tour un petit peu des applications que j'avais installées. Donc voilà, du Photoshop. Alors, on va faire un petit print screen, CTRL-N, hop, CTRL-V, voilà, puis là, vous pouvez vous amuser à traiter vos images comme vous le souhaitez, hein, c'est, voilà, ça peut servir à plusieurs petites choses, tac. Alors, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis bête. Voilà. Coucou. Atinidil.com. Et là, on va faire tac. Et on va s'augmenter ça. Voilà, donc après, un fichier enregistré, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Hop, là, pour l'instant, on va faire supprimer. Enregistrer modification, non. Voilà. Bien sûr, j'ai installé Chrome, j'ai installé Firefox. J'ai installé Firefox pour la simple raison, c'est qu'hier soir, bah, j'ai passé ma soirée tranquillement au lit avec cette pipo sur Swisscom TV où j'ai regardé mes petites séries habituelles du soir directement sur Swisscom TV sur le PC et ça marchait nickel quoi. Donc bah, Skype, TeamViewer, voilà, j'ai installé quelques bricoles. Hein. Ensuite, bien sûr, vous pouvez faire de la bureautique dessus. C'est quand même fait pour ça. Avec tout le pack Office. Donc là, par exemple, Word. Voilà, vous avez des dossiers à taper, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez travailler sur vos dossiers. Hop. Bien sûr, Excel. Pour ceux qui doivent faire du traitement en tableur. Voilà. Donc là, vous avez tout qui est voilà, tout est fonctionnel dessus, comme sur un PC Windows, alors que voilà, c'est un petit PC portable, mais son point fort, je vais vous dire, bon déjà c'est la batterie, l'autonomie, et puis on va voir pour le prix après aussi, où là ça devient très intéressant. Voilà, on a fait un peu le tour de la bête, hein. On a fait un peu le tour de la bête. Que vous dire de plus, à part que moi je suis conquis par ce produit, dans le sens où... Voilà, je vais vous expliquer un peu mon utilisation.
Et voilà, ça fera le tout. Après, ça plaît ou ça plaît pas, moi je trouve ça pratique. Allez, tout de suite, on va passer au plus, au moins et à la conclusion. Alors, les plus, les moins. Alors, les plus, bah déjà, moi je dirais le format compact de ce PC. L'autonomie, avec une batterie de 10 000 mAh, vous tenez une journée de boulot avec. Le poids qui fait 1 kilo, moins d'un kilo 4, donc à transporter, c'est quand même relativement pratique. Le côté multimédia, qui est pas mal. Voilà, ça peut être pour les gens qui voyagent pas mal ou qui sont en déplacement, bah, c'est facile à transporter, et puis vous avez un lecteur multimédia de qualité sous la main. Toutes les possibilités professionnelles et bureautiques. Voilà, si vous voulez faire du traitement d'image, vous pouvez faire du traitement d'image. De l'encodage vidéo, ça va être dur, hein. Le processeur va jamais suivre, hein. Faut pas pousser non plus. Mais vous avez des dossiers à taper, vous avez Word, vous avez Excel, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler comme si vous étiez à la maison. Deuxième point, la mobilité, le plus pour moi. Ce point est important dans le sens où professionnellement, j'ai des pauses pendant midi de 2 heures où je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, j'utilise tout simplement le PC portable avec ma connexion partagée du téléphone et je peux me connecter en Wi-Fi sur ma 4G et ça marche impeccable quoi. Ce qui me permet, bah, pour Mi France entre guillemets, bah, de compiler les ROM donc, pendant ma pause ainsi de suite. Bah voilà, c'est le côté mobilité qui me plaît beaucoup. Pour les points négatifs, ce que je dirais, c'est, je dirais le son. Voilà, d'origine le son dessus. Est faible, est très faible. Le fait que les enceintes soient positionnées en dessous, ça étouffe énormément. Donc ça, c'est le point négatif pour moi. Peut-être le plastique, voilà. Un peu de métal aurait été bien. C'est du plastique rigide, donc ça tient bien. Il n'y a pas de souci, hein. On peut y aller. Ça tient relativement bien. Mais je pense que ça aurait valu un petit peu. Pourquoi ma caméra est passée au jaune, voilà. Ouh là là. Ça aurait valu peut-être un petit peu de métal pour la qualité. Après, voilà, pour le prix, on va pas demander trop. Voilà, c'est revenu à la normale. Mais voilà, une petite enceinte Bluetooth pour le son, pour améliorer. Et puis voilà. La possibilité de brancher un disque dur externe dessus par USB, ça pour moi c'est un gros plus. Comme ceci par exemple. Tac. Donc c'est auto-alimenté. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on va voir qui va s'illuminer. Voilà, le disque dur externe est reconnu tout de suite, auto-alimenté, donc ça vous permet de balader tous vos fichiers, ainsi de suite. Voilà, donc la conclusion pour moi, c'est un très bon produit qui est mobile, qui est pratique. Windows 10, voilà, je vais en toute franchise, 95% des utilisateurs d'ordinateurs sont sous Windows, donc là, c'est le truc idéal. D'autres vont dire, ouais, Linux aurait été mieux, ou Android aurait été mieux, voilà, mais ça, c'est la minorité. Et ensuite, bah, le gros point pour cette conclusion, et qui est pour moi pas négligeable, c'est pas ça que je voulais ouvrir, ça, on va le fermer, voilà, c'était Swisscom TV hier soir, c'est le prix de ce produit. Le prix de ce produit qui est actuellement chez Tinidil, donc à 184 euros en version 4 Go, 64 Go. Et voilà, laptop netbook. Voilà, pour moi, voilà. Trouver un PC qui est capable de faire ce que fait celui-ci tous les jours pour 184 euros, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont trouver. Donc pour moi, voilà, c'est le point positif de ce produit que vous retrouvez chez tinydeal.com. C'est le prix du produit, 184 euros. Ce qui est relativement bien, que vous pouvez faire envoyer en free shipping via PostNL. C'est sûr, c'est su un suivi. Et vous êtes tranquille. Donc voilà, un bon produit, pratique, moi qui me sauve la vie sauve la vie, j'exagère, oui, mais qui me sert énormément pour justement travailler dessus à l'extérieur. Donc bah, n'hésitez pas, vous voulez un petit PC d'appoint, vous avez besoin d'un PC pour le boulot, vous voulez faire plaisir à un enfant pour qu'il ait un petit PC, bah voilà, vous avez tout sous la main. Donc, à vous de jouer. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une autre petite présentation. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être une tablette, peut-être un smartphone, mais ça arrive bientôt. Allez, ciao, ciao et bonne fin de journée!